Salut tout le monde, pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'un tissu, de peinture acrylique, d'un pinceau mousse ou d'une éponge, d'une baguette en bois, d'un bout de ficelle et d'un pistolet à colle ou de colle à tissu. Après avoir découpé un rectangle de 32 cm de longueur et de 24 de largeur, je le plie en deux dans le sens de la longueur et je vais venir découper en suivant les pointillés. Étant donné que c'est destiné à être sur un mur, vous n'êtes pas obligé de faire des ourlets, mais je vais quand même vous montrer comment faire avec de la colle. Donc je commence par le bas en pliant une première fois sur environ 5 mm. Je marque le pli avec mon fer à repasser. Même chose de l'autre côté. Et je replie une deuxième fois. Et pour maintenir, je viens ensuite mettre des petits points de colle tout le long. Je m'attaque au côté en réitérant les mêmes étapes d'un côté et de l'autre. Puis je coupe les extrémités qui dépassent. Je passe au haut, donc je plie une première fois sur 5 mm comme précédemment. Puis je replie, mais cette fois sur 3 cm. Et j'applique des points de colle pour fermer. Je passe au design, donc pour ça j'imprime ce que je souhaite écrire. Je vous conseille une police assez simple puisqu'il va falloir découper les lettres. Après avoir réalisé mon pochoir, je l'applique sur mon fanion. Je dépose un peu de peinture et je la prélève avec mon pinceau ou avec une éponge, c'est vous qui voyez. Et je l'applique en tapotant sur mes lettres. Une fois fait, je retire mon pochoir et avec un pinceau et de la peinture, je fais quelques retouches si besoin est. Dernière étape, je fais passer ma baguette dans mon fanion. Je noue ma ficelle à chaque extrémité de celle-ci. Et voilà le résultat. J'espère que ce DIY vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à me partager le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag AliciaDIY. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !